Les Inuits reproduisent leur monde en miniature, les Égyptiens en miniature, les Péruviens. L'être humain a sans arrêt aussi des objets réduits, vous savez, depuis l'enfance, qui choque énormément la personne. Alors bonjour, je m'appelle Dan Holman et je suis miniaturiste. Une miniature, c'est, au plein sens du mot, c'est une situation miniaturisée, c'est-à-dire une situation mise à l'échelle. Quand on construit une miniature, l'attention au détail, c'est primordial. Le détail dans l'atmosphère, un fil qui court au sol, un petit peu de saleté. Le détail dans la vétusté. Je regarde qu'il ne manque aucun élément. À ce jour, j'ai fait une, on va dire, 30 scènes miniatures en tout. 30 scènes en 25 ans. Dans une miniature, il faut souvent un an pour faire une miniature. Une année complète. Beaucoup de gens pensent que c'est acrobatique, difficile, compliqué. Certes, il faut être très concentré, certes, il faut être habile, certes, il faut être patient, mais chez moi, ça a toujours été un énorme bonheur. Mon métier de miniaturiste me fait regarder le monde un peu différemment des autres personnes. Une scène miniaturisée, elle représente tout de suite un cas énorme de société. L'effet d'optique est formidable, c'est une petite tromperie, c'est un peu de la prestidigitation. Il y a un effet d'optique qui est surprenant. Dans les lieux miniaturisés, il y a un monde gigantesque. On m'a souvent attribué le mot de rêveur.